le reconnaît de la danse. Il y a des sopas qui m'a dit à la réponse pour la volonté de ma soupe. Il y a des interrogants et des arts à l'Ipisano. Attends le rembourraté. Attends la scène en Bolumaï. Aux hommes pour ma mission et la table et vos soirées.
Rompre ton sommeil pour
prier avec, prier le Seigneur. Le même comme étudiant, bien élève. De la même manière, les étudiants, les élèves, tant aux années d'examen. Lorsque tu sais que tu as un examen, en tout cas, et tu as un jour manque. En tout cas, il ne reste qu'un seul jour. Oui, une aussi des bâtards. Tu sais comment est-ce que tu t'es. Et qui sont dans la retard, il y a autant dans le chapitre que son professeur a demandé. Et si tu es en retard de réviser notre chapitre que le professeur a demandé, oh, et aux enfants, pour tout mon minotan. Tu peux faire la nuit blanche pour lire ce chapitre. Tu es toujours avec ton sœur. Ça va déranger. Aux autres, va déranger. Tu refuses donc qu'on puisse te déranger. Tu es très concentré. Donc, cahier, Bobo, il s'est au match. Donc, les syllabistes qui refusaient le match. Jésus a Bobo, il s'est au match. Mais non, Jésus-Christ. Mais cahier, Bobo, il s'est en session, Bobo, il s'est au match. Mais les syllabistes, parce que tu es en session, peut te priver. On est très concentré. Donc, tu es très concentré devant les syllabistes. Toute la nuit. Aux autres, la pointe. Tu es en train de te précipiter pour. C'est bien. Les animaux là, des impôts. Au matin classe, c'est pour que tu puisses monter au lit, ça, que tu puisses finir. Pour qu'on m'a bien selon les morts. Pour devenir bien selon ce monde. Mais, les apôtres en servent, ma belle. Mais c'est seulement pour ce siècle. Mais récompense à mener les arbitres. Mais la grande récompense, c'est la vie éternelle. Et c'est ce qui se dit dans le pouvoir. Et c'est ce que tu veux voir comprendre. Sauf qu'il n'a pas qu'à voir d'autres, vous allez vous prendre dans le bon mot. Si dans les choses éternelles, tu combats de cette manière. Il n'y a pas de corrigible. Après, les choses qui passeront. Pourquoi pas traiter directement ton corps pour la chose incorrigible? Pourquoi ne pas aussi traiter directement ton corps pour les choses incorrigibles? Les gens diront tel que tu le vois. Ils peuvent te dire que dans l'écrit ou bien. Cinq mois où on se consomme à dans toutes les cinq mois, il ne faut pas toucher une femme. À côté, ça quoi tu as dit. Parce qu'elle vit dans ce moment-là, ils ont la gloire. Les joueurs obéiront pour marquer parce qu'à la fin, ils obtiendront la gloire. Un collectionneur qui est déjà couronne, un couronne corruptible. Un collectionneur qui est allé monter le épée de sa maca. Mais, Bible le dit, faisons-le. On explique tous ceux qui courent dans les stades. Ils vont courir aidé. Ils courent plusieurs. Mais Moko Kabanda remporte à les prix. Mais un seul remporte le prix. Mais Bible le dit. Mais la Bible dit. Courez de manière à les remporter aussi. Qui m'a amené pays à Colombe à retourner ma confession. Les lois. Aujourd'hui. Catholique va dire ma part. L'église catholique aussi. Protestant va dire ma part. Protestant dans la course. Musulmans arabes et autres qui n'ont pas. Les musulmans dans la course. Les bananistes de la course. Assemblée des saints de Dieu. Nous aussi de l'assemblée des saints de la course. Et tout le monde sont là. Et dans la course. C'est ça les textes de l'écolotienne. Courez de manière à les remporter. Qui m'a donné à Colombe à Motolé. Parce que nous sommes les affaires qui m'a pour à participer. Parce que notre course c'est pas pour participer au jeu. Donc, souci n'a rien. Son souci. Avec la maman au centre. Ils sont seulement appelés saints. Soutiens-moi dans la conscience des amis. Quel est le souci d'être saint? Voyage, nous sommes dans ce que ça vous tient dans les moyens. Partout on va y. Nous sommes en train de recevoir là où il y a des saints. Avant de la conscience, alors la terre. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de mon canard ou ça. Il n'a pas besoin d'une recommandation. Pour faire ça faire facilement. Pour bien travailler dans ses affaires. Mais avant de la conscience, on va dans la terre. Il n'a pas besoin de la crainte de Dieu. Donc avant de courir, non à la manière de la côté. Il ne court pas de manière à remporter. Mais il qui m'a donné pour remporter le prix. Mais toi, cours de manière à remporter le prix. On s'abstenir. On lui prie ça. En disant qu'on y a son autre côté, on les a mappés. Et toutes les choses vers lesquelles la chair peut te pousser, mais les impudicités. Babondumba. Via orgueil. Via idolâtrie. Amour de l'argent. Le consentement au livre. 1 Timothée 6, c'est le maga. 1 Timothée 6, dit ceci. L'amour. L'argent a racine de tous les mots. On lit tout le conseil en cours, mes amis, on s'y sert à ma dégnon sur mon petit poème. Tous les mots, ma dégnon sur. Tu as mon abattu, parce que l'on s'en est là, biqué con. Juste à ce que tu vois, les gens ne se prosternent pas. Ma source
Donc c'est pour cela avoir un gros diamant. C'est ça l'esprit amour de l'argent à Simikis. Et ça dit mon livre le conseil amour de Simikis. C'est l'amour de l'âge. Et ça dit le conseil de mon livre. La Bible dit qu'il faut travailler. La Bible dit tu dois travailler ta vie. Ma vie. Richesse oyo mutazuka boye na mozambete na nzela ya juste paix aidé par facilement. La richesse qu'on acquiert par des voies injustes s'envole facilement. Donc on a la très brillant. Et tu sois très brillant bien. Dans ces chemins, la carte nzela oyo ça n'a ma promesse en vain. Tu as le promesse de Dieu. Et ça n'a pas révélé dans ma bonne ici pour toi. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a préparé en ta faveur. Mais la richesse que Dieu a mis ici pour toi, mais la richesse que le Seigneur t'a préparé, et ça les trésors enfouis dans la terre. Et ça dit pourquoi la poursuite, oh, il m'a conduit à mon appel. Il faut travailler pour toi. Seigneur, ça, pour ça, on tire mon appel. Si on veut travailler, même si tu n'y travailles pas, le Seigneur n'a pas paresseux. Le Seigneur n'aime pas les paresseux. Le Seigneur n'a pas travaillé. Le Seigneur aime ceux qui sont des travailleurs. On a dit qu'on se mette dans une vie à prier maintenant. Tu te mets dans la vie de prière intense. Une vie à la chaîne. Bon, il y a pour qui là. Une vie à lecture. Bon, il y a pour tata ma commis en zambé. Une vie à partage. Bon, il y a pour kabola. Il faut qu'on nous fasse connaissance de l'élevage. Tu dois chercher la connaissance comme on cherche de l'argent. Proverbe 2, le binomano, verset 5 et 6. C'est Proverbe 2 qui le dit au verset 5 et 6. Au moins, mais comme les gens cherchent de l'argent, les gens ne se fatiguent pas de chercher de l'argent. Il dit, Luca connaissance, bon. La Bible dit, poursuit aussi la connaissance comme un trésor. On pose à la difficulté sur un thème. Tu vas avoir la difficulté sur un point public. Luca Bassal, il propose la compréhension. Cherche les serviteurs pour avoir la compréhension. Luca, la connaissance. On cherche la connaissance comme un trésor. Quand il y a mon ami, parce que c'est le bel héritage qui te fera entrer dans le royaume. Comment on toutes les églises. On voit remarquant toutes les églises. Par remplacer la connaissance par ma canicine. Ils ont remplacé la connaissance par leur propre raisonnement. Ils appellent Zamba béni par mon terre. C'est parce que le Seigneur ne les a pas appelés. Ceux qui Zamba bénissent, si le Seigneur t'appelle, à couper son mis sous contact la verre, y est la vraie connaissance. Il va te donner les yeux pour les regarder, lui la vraie connaissance. Zamba a coupé ses connaissances. C'est lui que le Seigneur ignore, il ne lui donnera pas non plus la connaissance. Zamba a posé la coupe à Moutou. Donc, tant que lui coupe à Moutou, à moi, coupe à l'éternel, il a pécié foi terre. Donc, le Seigneur ne le connaît pas dans le sens qu'il ne lui a pas donné la foi. Mais à moi, coupe à l'éternel, mais il peut lui donner l'argent. A pécié gisement à pétrole. Il peut lui donner les puits de pétrole. À moi, coupe à l'éternel, il peut tout lui donner. Mais ce qui a payé l'invité pour la rencontre à Zamba. Mais s'il n'est pas payé pour le royaume de Dieu, à moi, c'est pas monté. On ne va pas lui donner la parole. Mais la chose nécessaire, et l'eau à mon cul, c'est la parole. Et ça dit Yoba. Ce qui Zamba fait sur la parole, si le Seigneur te donne sa parole, c'est pérana. Réjouis-toi, bien-aimé. Bible le dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il le dit, bon, c'est pérana, la tête, c'est encore. Je le répète, réjouissez-vous, c'est pérana. À ce moment-là, Philippiens 4. Il est dit dans Philippiens 4. Réjouissez-vous toujours. Bon, c'est pérana, la tête, c'est encore. Pourquoi? Parce que la parole est pesante. Parce que la parole nous a été donnée. Et c'est pourquoi nous allons fortifier dans ce chemin. C'est pourquoi j'ai été fortifié sur ce chemin. Commission qui s'assimentait. Il ne faut pas reculer d'elle. Oh, nous allons ça la maman. Continuez sur ça la maman davantage. Là où tu fais le bien, continue et va les procréer en progrès. Nous allons en vie et comme. Toi qui es encore dans l'impudicité, dans un monde à l'autre. Et personne ne te voit. Il m'a déjà connu. Sors dans cette vie au nom de Jésus. Si vous allez à Wana, oh, il m'a pas mis mal, non, ma maman. Si vous êtes ici du côté des frères ou des sœurs, bon, sortez de cette vie au nom de Jésus. Les bam, les autres à la vie. Ce sont des liens qui vous lient voilà, pour détruire une vie. Pour détruire vos vies. Vaincre l'esprit, non, ces autres dominés. Le monde. Il faut vaincre tous les esprits qui dominent le monde. Ça, c'est un combat qui est le saint d'Azalin. Le monde est dans la Bible, ils ont conti ça. Le monde a des choses qu'il a introduit. Pour nous même pas tourner l'adoration à diable. Cherchez à aller les hommes dans l'adoration diabolique. Parce que l'adoration à diable est dans la tête, on est diable, on voit le diable. Parce que l'adoration du diable n'est pas seulement se prosterner devant lui. Il y a des tenues à diable les autres. Et ça lui permet la mer au Satan. Les nuits, les hôtels, les enseignements. Donc les tenues qui s'opposent à la diable.
les amis de là-bas au Satan, la jupe d'égo, comme les jupes qui servent à Rome d'égo, les robes qui servent les indiens, ce sont des robes diaboliques. Et qui va pantalon avec la rose qui sachait la robe là-bas. Comme des pantalons sachés. Ceux qui portent la robe, il faut d'abord le milieu qui sachait. Donc pour le porter, il faut d'abord porter préalable qui sachait. Ah, pas il est d'abord là par terre. Ah, il commence à tirer le pantalon. Ah, il tire le pantalon. Ah, ce qui doit être frère. Où va-t-il ce frère? Ceux qui va lever à la normale, bien. Que les cheveux soient normaux. Mon bail est aux alentours qui est belé, désolé. Donc, il ne va pas avoir de longues chevelures. C'est l'écriture de Dieu. Nous, il y a un petit pissou qui est belé. Quand tu laisses les cheveux accroître, il veut aussi un baiser pour mon pauvre Marley. Et puis, tu as besoin de. Pour ma vie, mon grand-maman va mourir. Même Marley, tu commences. Il veut aussi nous en avoir. Et puis, tu dis que tu es dans les choses de Dieu. Jusque-là, on comprend. Jusque-là, tu n'as pas encore compris. C'est là où ils sont là. Les chemins que Dieu est en train de suivre. Dieu aime l'extérieur qui convient à la sainteté. Il faut être. Que notre extérieur doit aussi enseigner les autres. C'est là. Et ça vient de l'Ontario. Donc, le lègue n'a pas pour ça. Donc, ta manière d'être. La mignonne sont pour ça. Partout tu peux te louper. Et cherche que cela puisse enseigner les autres. Celui qui dit, nous avons dit tant, il y a autant la Bible de Ténanda. Si par exemple quelqu'un n'avait pas eu le temps de l'exercer, mais ce n'est pas condamné à eux. Mais si tu crois en Chana, comportement dans les années d'Ata libéré. Et ton comportement, c'est comme il a lu deux versets de la Bible. Édifié. Et cela l'a édifié. Lucas à la bombe. Cherche que cela soit ainsi. Nous avons Lucas à Nzela, ma bête, télémélé au nom de Jésus. Quelqu'un qui te cherche dans les mauvaises voies, oppose-toi à lui au nom de Jésus-Christ. En ce qui concerne les mariages, toi, mon frère, ça ne commence pas toi avec la sœur. Non. La Bible n'est pas ainsi. Il faut y aller, il faut d'abord dire au père. Là, tu n'as pas encore parlé à la sœur. Dis-moi tel que je suis là. La santé qui a un peu ça. Je sens vraiment que je dois me marier. La papa ne va m'autoriser. Ce sont les pères qui vont t'autoriser à partir. Mais tant mieux est nécessaire. Lorsque toi tu dévances, avant que la soeur n'accepte, elle viendra d'abord chez toi. Et ça, c'est la femme. Ce n'est pas que la soeur. Elle a la carte de proposer. Elle a des frères qui l'ont proposé. Avant ça, maintenant elle prie. J'ai choisi celui-ci ou celui-là. Celui-ci ou celui-là. Non. Quoi les armes au paradis. Là, c'est vraiment du paradisme. Rebecca t'a pas pour la qui est pour ta source. Lorsque Rebecca, on l'avait choisi pour notre source. A qui m'imba ou pas. Elle avait couru vers l'avant. À la qui s'y va brasser la personne. Il a montré les bracelets. À brasser la cabra. Les bracelets dans le sens. C'est ça, il me sert. Et ça, pour moi, mais comment c'est ce qu'il y a ça? C'est la cause à laquelle je suis bon. La sœur ne peut pas être dans ton combat. La chance est entre nous deux. Maintenant, tant que ma aussi, ça te combat. Maintenant, lorsque je vais terminer, je vais tout concrétiser. C'est loin des amours à ma vie. Là, c'est manqué d'intelligence. Il veut te dépasser. Pour Naïs, est-ce que tu as dit que tu as parlé avec le ministre avant de venir? Et ça, très important. C'est très important. Ce qui va dire qu'on va avoir un peu suivre aux autres pays dans la montagne. Si ces choses qui installent la suivre, tu y veilles. L'ennemi va s'agrandir facilement. L'ennemi va blaguer facilement avec ta vie. Mais prends-la. Si le Seigneur nous quitte. C'est là où vivre la pureté, c'est très important. Et si vivre la vie de la pureté. Et que ta vie ait élevé la parole. Et que ta vie puisse élever la parole de Dieu. Que Jésus-Christ te bénisse. Maintenant, le texte dans l'Apocalypse 2, verset 6. Je lis notre texte dans l'Apocalypse 2, le verset 6. Et le verset 15e. Et le verset 15. Pour moi, qui est l'autre aussi, ça étape il y a Nicolaïsme. On avait dit qu'aujourd'hui, on va terminer avec la doctrine de Nicolaïsme. Et dans la semaine, par la grâce de Dieu. Et au cours de la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Si Dieu nous prend de vie. Vous avez appelé ce qui se donne, donc on compte dans la doctrine des malades. Nous entrerons dans la doctrine des malades. Pour tout cas, Apocalypse 2, verset 6e. Nous en Apocalypse 2, le verset 6. Non, verset 15e. Et le verset 15. Nous lisons le nom de Jésus-Christ, c'est un qui a compris ce que tu as pourtant ceci. Vous avez pas signé le propos et c'est que tu es les œuvres de Nicolaïdis. Vous avez été eu inakamisa la baille Nicolaïdis. Œuvres que j'ai aussi. Salon la baille Nicolaïdis. Le verset 15e.
De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Que Dieu bénisse les deux. Amen. Dans l'étape Nyonson, il faut aussi m'adhérer au Tolobé. Dans chaque étape, tu dois saisir qu'est-ce que nous disons. Oh, Zotanissa, Nicolaïsme, nous sommes en train de parler de la doctrine des Nicolaïtes. Les amis conquérants du peuple. Les amis conquérants sont longs dans l'hypothèse comme ça va au Baoum. Ah, donc ils ont dominé à Zolonga. Donc ils dominent le peuple. Et à un moment donné, tu as dit que l'écriture, le Seigneur, a parlé de plusieurs manières. Pourquoi nous savons que dans les écritures, Dieu parle de plusieurs manières. Avant qu'il pose un jour, il y a Adam. Et il peut être là en train de parler d'Adam. Mais pour ce qui est Adam, mais pour répondre à Adam, pour poser la tête, K-A-D-A-M. Tu n'entendras pas qu'il répète Adam, A-D-A-M. Place Moussou à Ozo, il a A-D-A-M. À un autre endroit, il peut répondre par A-D-A-M. Place Moussou sur Azongé, il dit une autre manière. À un autre endroit, il répond Adam par une autre manière. Yango, total, il s'aka aussi. C'est pourquoi nous avons aussi l'habitude de montrer par rapport aux Écritures, Nakola Pisa Matomi, et Azongé, là, Adam, en forme aussi Abraham. Il a repris aussi Adam par Abraham. Ah oui, il a dit héritage. Concerne l'héritage. Au moins, il est à Saraké. Oui, tel qu'il avait fait. Dans la Sissi à Akeli, lorsqu'il a créé, après avoir évoqué la moto, après il a créé l'homme, a mené maintenant pour continuer dans le jardin d'Adam. Il a amené l'homme pour lui le faire entrer dans le jardin. Au moins, mouvement. Vous voyez ces mouvements-là. Azul, mon papa, tu sais, dans le jardin d'Adam. Il prendre l'homme et le faire entrer dans le jardin. En répétant d'une autre manière. Le Seigneur l'a répété d'une autre manière. Avant, dans une terre, ici, il a une terre que lui-même a préparée. Cana, qui est Cana, Abinissi, Abraham, na Ur, na Chaldé. Il a fait sortir Adam Ur en Chaldé. Dans le Babini, lorsqu'ils sont sortis, aïe, pour le verset 1er de Genèse 12, il dit au verset 1er de Genèse 12, Abraham, qui est ton pays, le roi, ta patrie, va dans les pays que je te montre. Abraham, il a marché avec lui et lui a donné la terre. Place au nom de Abraham. En cet endroit-là, tu vois Abraham. Parce qu'à personne qui autorité n'a dit, on ne sait pas, il y a Adam. Parce qu'il avait tout donné même l'autorité à Adam. Et à personne aussi autorité à Nyons, on ne sait pas, il y a Abraham. Et il a tout donné aussi comme autorité à Abraham. Il y a un autre temps, il y a un bon homme. C'est pourquoi je l'ai dit d'abord. Romains 4, au verset 13. Romains chapitre 4, au verset 13. L'Écriture nous dit ceci. Ma bonjour à moi, tant que tu ton cœur pour répondre à l'amour, ma camoussou, tu vas comprendre à quitter l'autre fois. Je prendrai un petit moment pour répondre à des choses que les gens n'avaient pas compris la fois passée. Tant qu'on a le mal dit que Isaac a joué qui le tout et pas à Abraham. Lorsque j'avais dit qu'Isaac avait reçu le tout. L'héritage d'Abraham. Il était déjà marié. Et c'est oui, amen. C'est ça qui pourrait dire. Dès la vie, Romains 4, verset 13. C'est pourquoi je prends Romains 4, verset 13. Et Dieu soit loué. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. L'héritage du monde. Donc l'héritage du royaume du monde. Avait promis à Abraham. Le Seigneur avait promis à Abraham. Vous en avez un? Amen. Il y a un héritage du monde. Et c'est ça l'héritage du monde. Et ça pour Abraham. Donc cela est pour Abraham. Et Paul a confirmé. Et Paul le confirme. Il y a beaucoup remarqué dans le texte. C'est pourquoi vous avez remarqué, je vous avais fait voir. Vous venez d'entendre ici d'abord. Comme je t'ai fait remarquer que le Seigneur a fait ce qu'il n'y a pas à Adam. Le Seigneur avait tout donné à Adam. Mais le monde a fait ce qu'il d'abord à Adam.
Les morts, il l'avait donné à Abraham. Il a répété en le donnant encore à Abraham. C'est pourquoi je t'ai donné cette écriture. Romains 4, verset 13. Romains 4, verset 13. Donc Abraham a fait Adam. Donc Abraham, c'est un autre Adam. C'est pourquoi vous allez remarquer pour demeurer dans le jardin. Il faut tous à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas, il faut avoir bénin. Il faut que le Seigneur te chasse au jardin pour abandonner le jardin. De la même manière, la terre que le Seigneur pour y demeurer, il faut tous à obéir à Dieu. Si tu n'obéis pas, le Seigneur va te chasser de ce pays. Ok, il n'a pas Babylone. Et tu vas entre les mains de Babylone, mais pas beaucoup. Assyrie. Entre les mains. Sinon, terre où on a présenté Abraham, ils ont la répétition vraiment du jardin d'Eden. Et la terre donnée à Abraham, c'est vraiment la répétition du jardin d'Eden. Non, l'église. De la même manière, l'église de Dieu. C'est le pays d'Abraham. Ils ont mis mon cas sont qui aux autres. Pour sa parole. Dès si tu n'obéis pas à la parole, on le met une première fois. Deuxième fois. Nous t'avertissons la première fois, la deuxième fois. On présente une situation à l'église. On présente la situation à l'église en public. On raconte vraiment ton péché. Tel qu'il est. Et nous les disons clairs. C'est pour que tu éprouves de la honte et que tu sois à l'église. Parce que nous t'aimons vraiment, notre frère. C'est pourquoi nous avons dit ton problème ouvertement de l'église. L'église est aidée. Que l'église puisse t'aider. Si l'église ne parvient pas et que tu continues dans ton péché. Ça, c'est le pays d'Abraham. Les amis, au cas là, nous te chassons. Ton bétail dans l'église. L'écriture te jette. Parce que la parole donnée. Mais tes lobbies ont compte et Dieu vous bénisse. Amen. Il y a beaucoup pour remarquer dans notre texte qu'on a besoin qu'il l'autre fois. C'est pourquoi vous allez remarquer que je prends les textes de l'autre fois. La lobbies qui bouillait. J'avais parlé de ces sangs. Abraham, dans la zone, sa héritage pas à Isaac. Lorsque j'ai parlé d'Abraham qui donnait son héritage à Isaac. Aujourd'hui, Genèse 25. Vous prenez Genèse 25. Aujourd'hui, Genèse 24. Si vous prenez Genèse 24. On a la zone qui s'est mis sur le corps là. Isaac a bali Rebecca. Là, on nous montre Isaac qui a épousé Rebecca. Verset 67. Tiens. Le verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah. Isaac a même dit Rebecca n'a même pas ça. Sa main. Pour maman. Il prit Rebecca. La soeur qui Rebecca. Qui devint sa femme. Et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac. Et comment Isaac a bondi sa main? Après avoir perdu sa main. Ainsi, mais a beaucoup fait la maman. Nous avons remarqué vraiment qu'Isaac a parlé. Nous remarquons vraiment qu'Isaac s'est marié. Or, le vrai Isaac. Or, le véritable Isaac. Galates 3, verset 16. Et ici, nous sommes. Galates 3, verset 16, nous le révèle. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Le véritable Isaac, Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. Dans Galates 3, verset 16. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais à tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité. C'est-à-dire à Christ. Alors, Christ, c'est la postérité d'Abraham. Christ, c'est la postérité d'Abraham. Donc, Christ, c'est le vrai Isaac. Donc, Christ, c'est Isaac à solo. Donc, quand on lit Genèse 24, lorsque nous voyons la Genèse 24, Isaac a marié. Isaac s'est marié. Moi, les autres, ça donnait les plus au moins si après Isaac. Là, cela représente nous, la forme du vrai Isaac. Donc, on est là. Nous serons enlevés pour les noces. Et Dieu bénisse. Ça vient pas pour la maison. Ainsi, ma maison au bord d'un d'Aquariba. Après que nous soyons entrés dans la maison de Dieu. Et la suite de Genèse 25. C'est la suite de Genèse 25. Abraham prie encore Keturah. Sa femme. Abraham, soyez-moi si nous sommes Keturah. Abraham, c'est le père. Abraham a des tata. Supposons Esaïe 54. Si tu prends Esaïe 54. Dans verset 5. Au verset 5. Celui qui va tout dire, quelle est la. N'a pas sa femme
de l'Éternel. Si on te pose la question, qui est la femme de l'Éternel? L'obéissant Israël. Réponse, c'est le peuple d'Israël. Qui est la femme de l'agneau? C'est l'Église. Les amis Église. Sur la première page, si on te dit dans l'Écriture, dans Ésaïe 54, verset 5. Ésaïe 54, verset 5. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il s'est nommé Dieu de toute la terre. C'est lui l'époux de l'Éternel. L'épouse de l'Éternel. Même la femme de l'agneau, c'est l'Église. Maintenant l'Éternel, et on t'a dit ça, bon tata. Maintenant l'Éternel, c'est comme le Père lui-même. Naïve, c'est Abraham. Ainsi, c'est Abraham. L'agneau, c'est comme le Fils. C'est Isaac. Et Isaac. Donc quand Isaac a parlé, lorsqu'Isaac s'est marié, Abraham va venir au monde. Abraham va aller chercher une femme. Donc, quand vous connaissez ton rapport, lorsque toi tu seras enlevé, sa mère va s'occuper de l'Israël. Le Seigneur viendra s'occuper d'Israël. Il y a la classe à et le Seigneur l'avait déjà classé. Parce que ma camionneau, c'est pour ça que ma maison déjà. Tout ce qui se fera était déjà classé. Il y a mon ami, Isaac, pareil. C'est pourquoi tu vois Isaac, c'est mal. Abraham, comment est-ce que Abraham est derrière toi, c'est mal. Donc, pour Balaouana, il y a Abraham et Teresa Ramlenge, la parole est aux hommes à Israël. Et ce mariage d'Abraham avec Ketoura, c'est la parole qui retourne à Israël. Mais toujours remarqué, mais nous remarquons, la Genèse 25 de Koézali, question que vous allez répondre. Genèse 25, parce que c'est une interrogation que je dois vider. Dans Genèse 25, dans Genèse 25, Tabou Isaac a parlé. Lorsque Isaac s'est marié, Tabou. Abraham a parlé encore. Lorsque Abraham aussi s'est marié. Mais Abraham a son bâton. Alors Abraham prendra ses dons. A Pessiba Nayaba concubine. Et à Pessiba Nayaba Matam Naye. Mais à son Pessiba Nayaba. Il leur donne le don. Donc, la parole de Dieu, ce qui a été, c'est ce qui sera. Oyozala et Ozala. Ce qui est. Oyeza. C'est ce qui a été aussi. Mais où est Zalata? Il n'y a rien ni ajouté, ni rien à l'étranger. C'est ça Ecclésiaste 3, verset 14 à 15. Ecclésiaste 3, verset 14 à 15. Dieu fait ainsi en fait qu'on est crainte. Ça vient à Zalata, beaucoup pour pas tomber par gagner. Nous avons besoin qu'à construire aux hommes ainsi qu'à te dire au bâtiment, ça au corriger. Le Seigneur, s'il construit une chose, tu n'as pas un lieu où tu vas le corriger. Si on corrige, c'est qu'on a plus qu'un. Si tu le corriges, c'est que tu es plus que lui, Dieu. Il n'y a rien à ajouter. Ce qui a été, c'est ce qui s'est. Oui, ça l'a vu. Le a classé maintenant. Comme il a classé les choses. Le c'est de cette façon-là que les choses s'accompliront. Il y a beaucoup de remarquer. C'est pourquoi tu vas remarquer que. Nassima Abraham à Bali. Après qu'Abraham se soit marié. Donc Isaac a Bali. Et Isaac aussi s'était marié. Après voilà. Et après cela. Dans verset. 6 au verset 6. Dans une verset 5. Abraham donna tous ses biens. Abraham a pesa babosinaï à Isaac. Na Isaac. Les biens d'Abraham. Babosia. Il y a mon roman sur le Romain 4, 13. C'est ce que Romain dit dans Romain 4, 13. L'héritage d'Abraham, c'est le monde. Donc, l'Iboula, Abraham, on est au compte de Kilignon, sur le Romain. Isaac, il faut avoir bien en alliance. Isaac doit hériter tous ces biens-là. Alors, on va voir. Où est-ce qu'il est sorti? La septième trompette, l'Apocalypse 11. À la septième trompette, l'Apocalypse 11. Parce que là, on se fout, vous voyez, parce que vous devez savoir toutes choses dans la vie. Parce que nous avons dit la Galate 3, verset 16. Parce qu'on avait dit la Galate 3, verset 16. Postérité Abraham, mais Christ. La postérité d'Abraham, c'est Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Donc Jésus a ça, Isaac véritable. Jésus c'est lui le véritable Isaac. Maintenant il t'a besoin de voir dans le verset 15. Dans la chose qui est dite au verset 15. Apocalypse 11. Apocalypse 11. Alors dans autres ici, on te montre dans le verset 5e, il y a Genèse 25. Si nous montrons ce qu'on a vu au verset 5 de Genèse 25. Isaac c'est Abraham. Isaac c'était déjà Abraham. Abraham aussi c'était
Mais à Bessie, les rébels, ils ont tous ces biens. Mais il a légué à Isaac tous ses biens. N'aboye Abraham à l'outil à la mélodie. Physiquement, comme ça, Abraham ne restera même. Parce qu'à Bessie, tous ses biens. Parce qu'il a donné tous ses biens. Et pas Isaac. À Isaac, son fils. Donc quand tu vois Isaac, tu vois Abraham. Donc quand tu vois Isaac, c'est Abraham lui-même. Il y a un mot dans un mot à Abraham. C'est pourquoi nous voyons ici. Le verset 15, le septième ange sonnant de la trompette. Moi, j'ai mis à savoir où l'a dit Télélo. Apocalypse 11, verset 15. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Et à son Christ. Christ est tombé là qui est dans Galate 3, verset 16. Abraham, fils d'Abraham. C'est lui la postérité d'Abraham. Ton temps a dit Romains 4, verset 13. On avait lu Romains 4, verset 13. L'héritage d'Abraham est un monde mieux. L'Ibola et Balaam a né au Kili, au Bima, au Kondinango. Donc, il n'y a pas de cela veut dire, pour soi, pour qu'il puisse le il faut que Satan soit libre. Et c'est bien que Satan a kandambakandaye. Dieu ne priera force nyonso sur la terre. Et c'est ce qu'on appelle millénium. Donc à cause du royaume du monde. Et pendant le royaume du monde, et venu à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Voilà, royaume là, on lui a remis le royaume du monde. Romains 4, verset 13, c'est le royaume en monde des Arabes à Abraham. Romains 4, verset 13, dit que le royaume du monde, c'est l'héritage d'Abraham. Mais l'ennemi a utilisé Abraham. Mais l'ennemi l'utilise d'abord encore aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a mon logo là, Isaac va présenter ma bien nuance à Abraham. Et comme Isaac, on lui avait remis tous les biens d'Abraham. Mais nous avons un mot Awawa. Pourquoi nous le voyons ici? Monde nuance la mauvaise avant le Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde, tout le royaume du monde sera donné au Seigneur Jésus-Christ. Dans un millénium. Au temps du règne. Règne millénaire. Au compte à côté de mon corps. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Abraham a pensé que aussi ma don, ma fils à concubine. Et Abraham a fait aussi les noms au fils de ses concubines. Ma fils à concubine, on a mis en son va à la nation. Et toutes ces fils des concubines, ce sont eux qui ont formé les nations. Abraham, ils se sont dispersés sur la terre. Donc, cela veut dire tant où Abraham a fait sa Isaac, tous ses biens. Lorsque Abraham remet tous ses biens son héritage, à copier sa paix, ma fils à concubine, ma donne. Il fera aussi des dons au fils de ses concubines. Tant où Abraham a pensé à un royaume de Dieu, c'est pas Christ. Lorsque Abraham remet ici tout le royaume à Christ, il n'y a pas que ma fils à concubine, il ne faut pas ça. Sache qu'il doit exister aussi le fils de concubine. Ma on va faire comme ma nation. Ceux qui seront comme de nation. Il faut pas avoir don, il y a éternel. Abraham aussi recevoir le don d'Abraham. Donnez ma bonsoir. Lequel don qu'il recevra? Mille ans. Donc mille ans. Amen. Bah, vivre tant qu'on a ici la terre. Les gens vivront pendant un long moment ici-bas. C'est un nom qui dit. Et ça dit qu'il y a un zambé. À mon père, ça va vous donner. Le Seigneur leur fera des dons. Mais à sauver la mère. Mais il ne va pas les sauver. Et à mon moment, Abraham a pensé qu'il est donc à Benana dans mon musique. C'est pourquoi lorsque Abraham leur a fait des dons, il les a chassés loin d'Isaac. À ça, là, il y a un temps où Abraham y a encore. Il l'a fait lorsqu'il s'est encore marié. Non, mais ça, il est un combattant, on est respect, ça va la supporter. C'est donc là prophétiquement, mais c'est donc pas aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, la vie, encore bon, pour répondre aussi à la difficulté, à tout ce qu'on a dit encore. Je l'ai pris pour répondre aux difficultés qu'avaient notre frère. Voilà, pour faciliter, pour comprendre. Pour leur faciliter la compréhension. Et Isaac a reçu tous les biens tant aussi à Bali. Et Isaac avait reçu tous les biens pour l'héritage après qu'il se soit marié. Bisous, nous avons aussi appris Isaac. Nous sommes la femme du monde. Nous ne sommes pas encore à l'église. Isaac a reçu tous les biens. Comment est-ce que le Seigneur prendra tous les biens? C'est les voyages à ce moment-là. C'est-à-dire, cela s'accomplira après notre enlèvement. Et puis Abraham a payé tous les biens. Après Abraham lui avait donné tous les biens. D'après, il y avait Abraham a marié encore. Lorsque Abraham lui aussi s'était marié. Donc, nous devons comprendre que tous les biens sont payés. Nous comprenons que tout le bien c'est notre. Nassima Bisso, ton balami, ton après notre enlèvement. Non, l'éternel Yahweh, oui, là, il y a mon Jésus-Christ, il est lui-même Jésus-Christ. Mais dans le salon, il y a le roi, il y a celui qui est le Père éternel. Mais dans
nation, la tribu du Père éternel, Aboya pour visiter. Il viendra visiter Israël. Sauf à ce petit programme à Israël. Lorsqu'il termine le programme, n'a pas besoin tous les biens. Alors il prendra tous les biens. Ah, il va donner nos véritables actes. Vous avez la manière de dire, les amis. Vous suivez la manière. Et ces choses, il faut comprendre. Ces choses, tu dois les comprendre. Parce que c'est bien ceux qui ont des difficultés, ils vont te répondre. Parce que nous devons répondre s'il y a une difficulté. Par la grâce de Dieu. Donc, d'abord que nous montrons d'abord bien aimé, le Seigneur a l'obaka de plusieurs manières. Voilà, quand on dit parenthèse, on a parce que tu réponds à qui n'a pas tout, il va dire quelques difficultés. Nous fermons cette parenthèse parce qu'on avait répondu à ceux-là qui avaient des difficultés. Mais d'autres temps, c'est que tant que toujours on parle de Nicolaïsme, nous montrons que lorsqu'on parle de la doctrine de Nicolaïte, les autres temps, c'est pour conquérir les peuples. Donc c'est la part de la colombe à l'hypothèse à comment dominer les peuples. Nous savons que ce qui nous domine, c'est la parole. Domination parole, ça qui toque. La domination de la parole crée la joie même. Et ça la caquigne. Donc ça crée la paix. Parce que la parole de Dieu, comme ça, nous sommes embêtés. Parce que la parole de Dieu ne nous fera pas du mal. Ce qui nous domine, puisque ça va prendre à tous à la parole pour coïncider. Et si la parole nous domine, c'est pour le royaume de Dieu, la parole. Mais domination de l'homme sur l'homme. Car si vous comptez à mon Dieu, Nicolas, à mon Yahomé, Nicolas. Et c'est ça la doctrine de Nicolas. Mais tout à l'issue, alors on avait montré cela dans le livre de Matthieu 20. Dans le livre de Matthieu, chapitre 20. Tout à l'heure, verset 25 à 26. On avait lu le verset 25 et 26. Parce que, alors, à tous ceux qui sont Nicolaïsme, bon, on a semaine de Bali, Balamisme. Parce que ici, on termine avec le Nicolaïsme pour entrer dans la doctrine des Balaam. Donc, il faut y aller bien. Donc, tu dois bien maîtriser le Nicolaïsme. Il y a un mot total dans Matthieu 20. C'est pourquoi nous regardons dans Matthieu 20. Les versets 25 à 26. Le verset 25 et 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est un nom de Jésus-Christ. Jésus les a dit. Jésus avait la vie. Et dit. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Oui, madame, il va vous dire Nicolo, ma caméra, ma mona, mon yon, la Nicolo. Et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est l'exercice que vous jetez. Ce n'est pas un exercice, un petit exercice. Ah, ça va, serviteur. Donc, soit serviteur de la souche des autres. Donc c'est que tout le monde ensemble va taille ça, les tyrans, le même va dominer la nation. Le Seigneur montre la manière dont les tyrans dominent leur nation. Le Seigneur a dit, ils ont la bonne moté dans la carte de la mission. Le Seigneur dit que cela ne va pas être ainsi au milieu de nous. Donc ma tyran, donc ne dit pas roi et ma bébé. Donc le roi des nations. Le Seigneur va dominer le peuple dans la dictateur, comment est-ce qu'il domine le peuple? Les seigneurs, les seigneurs en a parlé. Alors, l'église est en train. Elle dit qu'ils n'en sont pas ainsi dans l'église. Donc il dit que c'est dans l'église. Donc cela montre que dans l'église. Donc ceux qui dirigent le peuple doivent le faire avec amour. Pour dominer le peuple. Qui ne domine pas le peuple. Maintenant, toujours nous comprenons la domination. Maintenant, nous voulons comprendre c'est comment cette domination. Il faut totalement les œuvres pour les amis qui pas un tyran. On doit d'abord voir les œuvres qui commettent les tyrans. Le lien par vos raisons dominer ma peuple. Comment est-ce qu'ils dominent leur peuple? Comment la carte de la vie se voit un tomboya? Et si nous trouvons cela au milieu de nous, nous devons le repousser. Il y a un tomboya qui brille. C'est pourquoi on avait dit ceci. Zambé a considéré que les nations comme des bêtes des champs. Le Seigneur considère toutes les nations comme les animaux des champs. Là, ce qu'on t'a dit Daniel 4. Là, en lisant Daniel 4, au Tali, verset 12e. Regarde verset 12. L'Olympe va nous présenter les grands arbres. Quand est-ce qu'on nous présente les grands arbres? Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar. Babylone. Et Babylone. Va nous présenter. On nous présente. Non, maintenant il faut comprendre la manière. Donc tu dois bien comprendre ces pensées. Parce que comme les âmes ont été révélées, comme le Seigneur s'oppose à cet esprit. Et puis ils amènent un verset au total, un verset 6e, Apocalypse 2. Et puis le Seigneur au verset 6 d'Apocalypse 2. Ils ont loué l'église des saints et fêtes. Ils louent l'église des saints et fêtes. Au bambou, tel est le message à la vie.
Parce que les frères de cette église sont posés aux œuvres de l'église. Alors, mais vous haïssez ces œuvres, moi aussi je les hais de mon cœur. Alors, il faut y employer ma yambo. Il faut toi aussi que tu connaisses ce mais ma casse, que tu puisses les haïr encore. Zambatato la robe. Et que le Seigneur puisse aussi te louer. Yambo tozo talisayo. C'est pourquoi nous te louons. Nicolaïsme, c'est le conquérant du peuple. La doctrine du nicolaïsme, c'est le conquérant du peuple. Qu'on domine le peuple. Et aux gens qui textent, il y a Ecclésiaste 8, verset 9. On avait pris le texte d'Ecclésiaste 8, verset 9. Salomon, par mon âme. Salomon aussi avait vu cela. Domination à l'homme sur l'homme. Au compte, il y a un monde, Nicolas, un monde. Alors, mais les gens pour les rendre malheureux. Ça dit qu'au compte, il s'en montait, on va continuer à mourir. Et pas qu'à la question, on s'en a si ma moto, on s'en a malheureux. Sachez si tu es derrière un homme, tu es malheureux. Là, c'est l'Écriture. Ça va dans ma parole de Dieu. Tu dois derrière la parole du Seigneur. On va la errer. Et tu seras heureux. Ecclésiaste 8, verset 9. Ecclésiaste 8, 9 le dit. Maintenant, il faut que tu tournes. Maintenant, tu dois t'interroger. On va la cima monter Colombani. Qui est venu être derrière un homme. Donc, Élie Colomba, Asalamabe, on le dit Amen. Qu'il fasse le bien, tu dis Amen. Alors, on le dit Amen. Qu'il fasse le bien, tu dis Amen. On connaissait d'être infaillible. Donc, tu le. Infaillible. Donc tu te fais infaillible. Ah, on commis derrière l'époque. Là, tu te fais derrière un homme. On a derrière la grâce de Dieu. Tu n'es pas derrière la grâce de Dieu. Il y a un autre temps qui s'appelle ma nation. Pourquoi nous montrons comment est-ce que les nations bah, voilà qui ont dominé la terre, les peuples. Dominer la terre ou les nations. L'éthologie. On avait dit. Nation nionce sur la terre. Toute nation sur la terre. Sans exception. Collaborateur à Zaraganassine. À son totem. Nation, chaque nation. Pour parce que les gens ne vont pas dévancer le Seigneur. Et que le Seigneur a placé sa parole. C'est là toi aussi s'est manifesté ainsi. Et puis, ton verset qui Genèse 3 aussi, verset 1. On avait aussi le Genèse 3, verset 1. On a ton monde qui n'a pas l'année 4. On a ton monde qui. D'abord, on avait vu dans Genèse. Que les serpents avaient qui les plus lisés. Que tous les animaux que le Seigneur a salés dans le jardin. Alors on avait dit ceci. L'iconiwana et l'obité que serpent kakanda dans la rise. Cette écriture ne dit pas que seul le serpent était risé. Mais le bien a plus risé. On dit le serpent était plus risé. Banyama mususu pesa na risé. Les autres animaux aussi étaient risés. Pourquoi les animaux? Pourquoi les choses sont risées? Mais ton père qui va écriture. On avait donné les écritures. Ton loba dit que quand le diable a précipité. On avait dit que lorsque le diable fut précipité. Matala qui a mis en Ézéchiel 28, verset 17. On avait lu ensemble Ézéchiel 18, verset 17. La semaine. Le Seigneur a dit que le diable a corrompu sa sagesse. Ça pour a béni sa poignée. Et Dieu a jeté par terre. Ça veut dire quoi qu'il y a cela veut dire que le diable est dans Wakiti. Cela veut dire lorsque le diable est descendu. A quitté la sagesse. Il était descendu avec la sagesse. Aïe, mais corrompu. Mais quoi que le béni sa main et quand il y a le mabé. Yako, ils ont le main. Sagesse, oh, ils en arrivent. Dans la sagesse, il y a la ruse en elle. Et à mon moment, quand le Seigneur est en train de parler des sages. Et pourquoi lorsque le Seigneur parle des sages, n'a pas béni sur la terre. Azor la guerre à quoi, quand la bango n'a zéla y a ruse n'a pas beau. Le Seigneur dit qu'il prend le sage dans leur ruse. Là, ce sont des rappels pour nous le dire qu'il y a un ruse. Parce que la ligne assise sur le nicolaïsme. Parce que je vais achever sur le nicolaïsme. On a compté la semaine na balamisme. Entrer au cours de la semaine dans la doctrine des malades. Dozois qui 1 Corinthiens 3. On avait pris 1 Corinthiens chapitre 3. Comme le diable a descendu de la terre avec la sagesse corrompue. Comme le diable est descendu sur la terre avec la sagesse corrompue. Diable, c'est un esprit. Ça pour la salive au livre. A pour posséder les animaux qui sont les nations. Il va posséder les animaux qui sont les nations de la terre. Il y a un autre total, c'est qu'il va par animaux. Et ça, balisé. C'est pourquoi on montre que les animaux sont guéris. Mais là, il y a un moment la carte d'avoir la plus. Mais il y a un animal parmi eux qui est plus risé que celui que le Seigneur avait la maladie des serpents. Et c'est cet animal-là qui est le serpent.
Na pesa kidino Ésaïe 14. Vous avez donné Ésaïe 14. Verset 21. Le verset 21. On a présenté Assyrie. Là, on nous présente la Syrie. Puissante nation en temps réel. La puissante nation en temps réel. C'est bon. Le corps a dit au Bataille ici le lien à Kouéi. On a montré comment tester. Mais un autre serpent pour remplacer. Un autre serpent va les remplacer. Avec les serpents pour remplacer Assyrie. On appelle ces serpents qui remplacent. Basilique. Les serpents basiliques. Tu as dit que Assyrie dans la Kouéi. Nous savons que lorsque la Syrie est tombée, Babylone l'a remplacé. C'est Babylone qui l'avait remplacé. Il y a un autre venu témoignage. C'est pourquoi on avait pris un témoignage. Dans Jérémie 8. Dans Jérémie 8. Verset 17. Le verset 17. On a laissé la taille ici la routine de la contre Israël les basiliques. Là-bas, le Seigneur avait montré qu'il enverra contre le peuple des basiliques. Et ça a dit armée babylonienne. C'était l'armée échappée des babyloniens. En prenant sur la basilique, mon voisin au verset 29 et Ésaïe 14. Et tous sont armés cette basilique au verset 14, 29 des années. Mais dans le règne à Babylone, les aussi. Et lorsque le règne de Babylone prend, dragon volant tout se manifeste. Il y a un dragon volant qui doit se manifester. Les autres sont toujours ma puissante nation qui nous ont amenés. C'est la réponse. La marche est puissante. Mais les bêtes au monde, le même esprit, l'Apocalypse 12. Et c'est le même esprit que nous voyons dans l'Apocalypse 12. Il y a des dragons volants. Et ça vient dans la bonne à tout le monde. Mais elles ont s'opposé la femme. Mais qui s'oppose à la femme? Femme, les aïeux. La femme, c'est toi et moi, l'Église de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous comprenons maintenant. Et c'est ce que nous voulons comprendre. Notre ennemi, c'est les diables. Nous n'avons plus ces amis, Satan. Mais les diables, elles ont possédé ma corps. Parce que Satan, elles ont mis au compte à la maison de la maison. Éternel a donc possédé ma corps. Et la même manière, l'Éternel aussi possède. Azara Katina. Il est en toi. Azara Katina. Il est en moi. C'est Jésus. C'est Jésus en nous. L'ennemi aussi les diables. L'ennemi aussi les diables. Azara Katina. Il possède aussi les hommes. Azara Katina. Il travaille aussi en eux. Mais l'ennemi a donc ça la bonne accompagnée sa lumière. Mais l'ennemi travaille pour combattre la véritable lumière. Bonne accompagnée sa la parole. Pour combattre la parole de Dieu. Alors qui peut vous infiltrer dans Katina? Aussi s'infiltre au milieu de nous. Avec Pédi Baptiste. Il est aussi fait. Témoin, alléluia. Il chante aussi gloire à Dieu. Père, comme il pasteur, apôtre, prophète, docteur. Et puis il devient aussi ministre dans l'église. Évangéliste. Évangéliste dans l'église. Bonjour, maman. Amen. Et donc, nous sommes en réserve un bon compte dans le paramisme. Et d'autres choses, je les réserve parce qu'on veut expliquer. Quand on est dans le paramisme, ça m'a donné le tournoi chez Zabélis. Lorsque nous allons entrer dans le paramisme chez Zabélis, et là, on est dans un compartiment. Donc, chaque chose dans son compartiment. Ah, mais toujours, on est là-bas, la domination. Si nous parlons seulement de la domination de l'homme. Mais dans ce cas, il s'est dit, c'est pourquoi je te vois. L'esprit, ma mère. Mon livre, ma mère. Utilise le corps. Ma salle, la tapé, ma tour dans ma tour. À mon corps, t'indique à monter. Il peut pousser l'homme. À mon corps, ça l'appelle à projeter ma mère, une colonne en serre. Il peut avoir aussi un mauvais projet sur toi, ma soeur. Atteigner un faux frère. Il a avoir un faux frère. Mais possédé par les esprits, mon corps. Ma bé. Ou bien frère, le père, l'ennemi peut pas utiliser serve à ma bé. Et le frère aussi, l'ennemi peut utiliser une fausse. C'est pourquoi il faut s'en ta prière. C'est que nous avons dans le sac pour notre casse. Parce que la soeur que tu vas racheter doit faire ta joie à la maison. Et ça, Martine, cela est très important. Et ça va bien du tout, mais ça va pas dans la quoi. C'est bien que tu aies le combat derrière la maison. Si elle versait, mais avant, vous allez cacher. Que ton adversaire soit la personne. Elle dit que ça j'étais. Les nations, quelles sont
baza possédé par diable. Le diable a dit ça qui Jésus-Christ. C'est pourquoi le diable avait dit à Jésus. Il a dit royaume non ça tout le royaume de la réunion sur tout le royaume de la réunion. Tout ceci m'appartient. Posterne-toi devant moi et je te les donnerai. Sokomoni na domaine moko. Si tu vas dans un domaine, montaza la gloire ma casse. Et qu'il y a plus de gloire et d'honneur. Surtout dans les domaines du monde que tu as fait. Il s'est prosterné devant le diable. Afrika mais Satan. Il s'est prosterné devant Satan. Nous nous prosternons devant Jésus pour qu'il ait ma source, ma foi, mais la diable. Mais les autres se prosternent devant le diable. Amen. Donc il faut faire très attention. Il s'est éloqué par mais à mon total, il s'est équipé. Alors on avait montré. Comme le diable a quitté la sagesse corrompue. Comme le diable était descendu avec sa sagesse corrompue. Donc, sagesse comme ça. Rizzo. Voyez les amis, n'a pas aimé. Mais ton total a rizzo avant la carte de ma tyran. On va voir cette rizzo dans les tyrans. La façon dont il travaille. On est venu à sa vie pour ça. Comment on a mal rizzo. Tu verras comment on a aimé. Ils ont présenté le Moussous. Ils présentent autre chose. Et maintenant, un programme Moussous. C'est le diable lise à ça. Cela veut dire le diable n'est plus lisé là. Le Seigneur va dire non, pas les amis l'église, père. Le Seigneur a dit que ces choses ne sont pas. L'église veut dire quand vous les amis. Dans l'église, ici, il y a un problème. Réprends ton frère. Pas de la décoration. Il dit ça. Dis-lui. Sauf à Yogi. Qui a gagné ton frère. Les décoration, sauf qu'il a dit la seule. L'amour est l'ennemi. Que l'amour règne. C'est ça l'église. Il y a beaucoup d'église. Il y a beaucoup de temps qu'il a dit dans 1 Corinthiens 3. Tant qu'on veut expliquer sagesse à mort. Parce qu'on a expliqué la sagesse du monde. Total Isakibouri. On avait montré ceci. Dans verset 18 à 20. Verset 18 jusqu'à 20. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ses siècles, qu'il devienne fou. Afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur risque. Sagesse à terre. Pour la sagesse du monde, les analyses. Ah, la ruse des hommes. C'est par là que ma bosse la ruse, les gens vont vous rendre les camarades sanctifiés. Ils peuvent faire des choses par ruse, mais le Seigneur peut anéantir leur programme. Parce que l'Écriture dit dans psaume 33. Parce que l'Écriture dit dans psaume 33. Dieu anéantit les projets des nations. Ça vient si nous sommes à Bigol. Mais ce dessin subsiste à tout. Mais c'est pas moi qu'on est où, mais à Kalibéla. Mais ton tabac qui aussi. Alors on avait aussi lu. Et encore, verset 20, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Dieu lui-même. Il est en train de le dire. Nous allons nous prosterner et demander. Pour donner ma sagesse, nous sommes appelés en vain. Parce qu'il a mis toute sagesse du monde et vaine. Et l'apôtre Jacques a donné la parole. Et l'apôtre Jacques prêche la parole. Dans Jacques 3. Dans Jacques 3. À partir du verset 13. L'écriture au Seigneur, frère, répéta ta mon ami. Il faut répéter ces écritures bien aimées à la maison. Viens pour comprendre encore mieux. Alors tu vas mieux comprendre les choses. Jacques 3, verset 13 à 16. Même. Jacques 3, les versets 15 à 16. Abanina 13. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. C'est ce que nous avons dit. Ézéchiel 28, verset 17, à qui la sagesse la terre. Nous savons celui-là
qui était descendu avec la sagesse corrompue sur la terre. Ezekiel 28, verset 17. Nous avons donné Ezekiel 28, verset 17. Les diables et les salaires qui